بسم الله السميع العليم من شر الشيطان العين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الأول والآخر والظاهر والباطن نحمده ونشكره سبحانه وتعالى حمدا دائما أبدا سرمدا لا انقطاع له ولا نفاد ثم نصلي ونسلم على خير خلق الله أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيع ذنوبنا وقرة عيننا أبي القاسم أمين محمد اللهم صل على محمد وآل محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين الميامين المعصومين ولعنة الله دائما على أعداء الإسلام إلى يوم الدين. Je vais commencer d'abord par adresser mes salutations à nos très chers chouyours, nos enseignants, nos guides. Ensuite, cette salutation sera étendue à tous ceux qui sont présents, à tous les frères et sœurs ici présents. Et cette salutation est celle des gens du paradis, Inch'Allah Ta'ala. Elle n'est autre qu'assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous remercions nos jours de nous avoir donné l'autorisation de venir parler. Non. Ensuite, nous remercions les organisateurs de nous avoir fait confiance pour ce grand événement et Inch'Allah, n'est-ce pas, nous espérons qu'Allah lui-même, son messager, nos imams, ainsi que nous tous ici serons satisfaits, nous-mêmes dans ce monde et dans l'au-delà, Inch'Allah. Donc, aujourd'hui, on commémore un événement. Oui. On appelle événement de Gadir. Non. La première chose que nous remarquons d'abord, non, c'est que cet événement n'est commémoré que par les partisans, non, de la famille du prophète, les chiites. Sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Non. Alors que c'est un événement historique. C'est pas une invention des chiites. Ah, pardon. Mais pourquoi est-ce que c'est nous seulement qui le commémorons? Pourquoi? D'accord, pour expliquer. D'abord. Non. Dans l'assistance, je ne connais pas tout le monde. Tu peux pas. Non. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui ne savent pas ce que c'est qu'un chiite, ce que c'est qu'un sunnite. Ce n'est pas ce qu'on est venu faire ici. Mais non, rapidement, non, on peut faire le tour de la question avant d'entrer dans le sujet. Non. Si les gens ne savent pas ce que c'est qu'un chiite, ce que c'est qu'un sunnite, ils sont assis, bon, ils vont assister comme ça et puis bon, voilà. Parti, c'est pas bon. Voilà. Faut expliquer. Alors, il faut qu'on se dise les choses clairement et bien, directement. Bien sûr. Une fois que tu es musulman, tu te réclames de la communauté de notre saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi. Une fois que tu te réclames de l'islam, non, que tu le veuilles ou pas, oui, que tu le saches ou pas, que tu l'aimes ou pas, non, tu es soit sunnite, non, soit chiite. Vous savez que... Il n'y a pas de troisième élément. Hein. Non, il n'y a pas de troisième. C'est les deux. C'est les deux, c'est ça. Tu es l'un ou l'autre. Bien sûr. Peut-être que tu sais. Oui. Peut-être que ça ne te plaît pas. Oui. Peut-être que tu n'aimes pas entendre. Oui. Mais la vérité est claire. Oui. Si tu es musulman. Oui. Si tu n'es pas sunnite. Non. C'est que tu es chiite. Oui, vous ne pas dire. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Non. Maintenant, oui,
Si tu as choisi, tu as choisi. Maintenant, si tu n'as pas choisi, que toi-même tu ne sais pas, tu es dans l'islam comme ça. Non. Tu ne sais pas si tu es sunni ou bien tu es chiite. C'est que la personne qui t'a appris a choisi déjà pour toi. Ça aussi, c'est la vérité. Le choix a été fait à ta place. Si tu n'as pas fait ton choix toi-même, le choix a été fait à ta place. Ce qui est certain, oui. Si tu n'es pas sunni, tu es chiite. Ça, c'est clair. Je voulais pas histoire de dire non, moi je suis simplement musulman. Côté, ça n'existe pas. Il faut retourner dans les livres, tu vas voir. Oui, oui. Si tu n'es pas sunni, c'est que tu es chiite. Ça, c'est une réalité. C'est clair. Maintenant, moi je pense que il vaut mieux faire soi-même son propre choix. Oui, que quelqu'un lui fasse pour toi, oui. La différence rapidement entre les deux. Je suis dans l'introduction, Je suis dans l'introduction d'abord. Non. Je vais planter le décor et puis on va attaquer le sujet, Inch'Allah. Non. La différence entre les deux, rapidement. Oui. En quelques mots. Tout le monde croit au prophète. Ça, c'est clair. Sur le moment, allez, on va aller voir ça. Ça, il n'y a pas de problème. Non, quand on a ce gars de Anna, voilà. Voilà, il n'y a pas de problème. Oui. Mais la différence se situe où? Après le messager, oui. De qui on doit prendre les enseignements? Après, oui. Puis on doit prendre les enseignements de qui? Ça, c'est une belle question. Non. Les vrais sunnites disent qu'on doit prendre l'enseignement chez les compagnons du prophète. Bien sûr. Ils sont tous bons, ils sont tous droits, ils sont tous au paradis, ils sont tous dignes de confiance. Parce que voici la position des sunnites. Ils ont dit ça, au confort. Quand je dis sunnites, je n'ai pas dit salafites ou seulement salafites. Ce qu'on appelle communément les wahhabites ou les wahhabiens. C'est pas ce qu'il dit. Hein. Non. Quand il dit sunnites, c'est le grand groupe des Ahl Sunnah Al-Jama'a. C'est tous les musulmans qui sont chiites. Bien sûr, c'est clair. Malikites, Hanbalites, Tijanites, tout ça sont dans le groupe, grand groupe sunnites. Plus les salafites eux-mêmes sont dans le grand groupe sunnites. C'est de tout cela que je parle. Ok. Donc il faut qu'on soit clair sur les termes. Pour être clair. Être clair. Voilà. Donc, ils disent on doit prendre l'enseignement, après le on doit prendre l'enseignement des compagnons du prophète. Bien sûr. Ils sont tous bons, ils sont tous dignes de confiance. Sallu ala Muhammadin wa ali Muhammad. Ah, ma soeur.